l'Award du meilleur espoir. Un prix inattendu pour Thomas Pontac. À 36 ans, cet artisan chocolatier entame une deuxième carrière dans la torréfaction. Un tout autre métier au savoir-faire exigeant pour travailler de la fève à la tablette. Et ses pairs convaincus viennent de récompenser ses premières créations. La partie bonbons de chocolat, donc on a eu déjà un award et la tablette d'or. Donc il fallait aller chercher une récompense sur les tablettes et c'est chose faite. Depuis qu'il a repris cette maison emblématique rochelaise, Thomas a renouvelé la gamme de bonbons, ganache et pralinés. Mais produire ses propres tablettes était un rêve d'enfant. D'Équateur, du Mexique, des îles Salomon ou encore d'Indonésie, le cacao exprime des arômes de fruits, de fleurs ou d'agrumes. La qualité de la matière première fait toute la différence. C'est un travail de longue haleine. Donc, on va déjà sélectionner la fève. Le planteur, même la plantation en elle-même. Et il y a tout le travail derrière qui va être de torréfaction, de sélection. On est vraiment dans quelque chose d'artistique. Et Thomas Pontac a franchement cette fibre et cet amour du cacao qui fait qu'il en tire le meilleur. Et les amateurs de chocolat ne s'y trompent pas. Les récompenses attirent les gourmands. Ça valorise en effet son travail. Et puis j'hésite encore moins à venir ici. Et puis ça nous fait plaisir que dans la Rochelle, on a un chocolatier reconnu. Moi qui sors de la confiserie, je peux vous dire que c'est énorme. En fonction des arrivages de fèves, la gamme de tablettes proposées s'étoffera au fil des mois.